Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. C'est toujours un grand plaisir pour moi de retourner sur nos écrans, de vous avoir encore nombreux sur vos téléphones. Je suis très ravi et ça faisait quand même longtemps que nous nous sommes retrouvés. Vous vous êtes posé la question « Où est-ce que je suis passé ?» Je suis toujours là, je suis en train de préparer toujours quelque chose que je pense que le mois de juin va être un mois où nous allons recommencer nos émissions régulières comme nous le faisions, donc Contact Pro Live Réflexion, comme nous allons le faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous démarrons et nous espérons que ça sera pour le bon, parce que nous devions démarrer en principe au mois d'avril, mais ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, nous sommes dit, en tout cas, il faudrait que nous puissions revenir parce que l'actualité et les choses qu'il faut, sur lesquelles nous devons réfléchir deviennent de plus en plus importantes parce que notre pays est en train toujours de sombrer dans l'inconnu, dans ce que nous appelons la destruction volontaire de notre pays. Les autorités qui sont placées sur la tête, qui se sont mis à la tête de notre pays, ne tiennent pas compte de la façon, de la bonne gestion de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, mes chers amis? Nous parlons de l'identification de notre population. Parce que vous allez lire dans le livre, comme vous aviez lu dans le titre, l'ONIP a commencé à lancer les cartes, à distribuer les cartes d'identité. Lorsque nous avions appris cette nouvelle, lorsque nous avions vu ça par des médias étrangers, que je vais vous mettre un petit extrait ici, ça m'a choqué, ça m'a donné des chairs de poule. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas faire les choses dans l'ordre? Comment est-ce que nous ne voulons pas faire les choses dans l'ordre et au lieu de sauter les étapes? Ça m'a énervé. Et c'est pour cela que je me suis dit, au lieu d'attendre au 15 mai, parce que nous nous disions que nous allons recommencer nos émissions au 15 mai, nous nous sommes décidés, nous devons recommencer aujourd'hui. Nous avons vu le président de la République à Paris, il a repris son cheval de pèlerin pour aller partout dans le monde, comme il a dit. Est-ce que c'est ça la solution en République démocratique du Congo? Nous avons vu beaucoup de choses. C'est comme cela que nous nous sommes dit, nous allons recommencer nos émissions réflexions afin que nous puissions participer aussi à donner des solutions. Qu'importe si on ne nous écoute pas, mais nous allons commencer à faire notre devoir. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette carte d'identité qu'on a commencé à émettre à Kinshasa. Avant d'aller un peu plus loin, comme à tous les réflexions, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous allons revenir pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, les élections indirectes, ce rapport alarmant d'une mission d'observation électorale. New York, des responsables des agences de l'ONU préoccupés par les escalades des conflits en RDC, Centrafrique. Mandat d'arrêt de la Cour pénale spéciale lancé contre l'ex-président François Bozizé. On va sur actualité.cd. Félix Tshisekedi sur l'apport français face à la guerre du M23. On peut dire qu'on peut compter sur la France pour trouver cette paix. Élection des sénateurs, 8 jours accordés pour le dépôt des recours à la Cour constitutionnelle. Noru Bangui, des élections de sénateurs et gouverneurs et à l'organisation des législatives provinciales à Yokomwa. Congo profond, Kinshasa, les travaux sur l'avenue Nguma causent un casse-tête à ses usagers. Détournement des fonds publics et corruption, CIRDP, une solution congolaise révolutionnaire. Éducation Fondation DNT Campus de l'Inde, Kinshasa, France, toujours soudé dans la collaboration pour l'épanouissement des jeunes. 7 sur 7, Lualaba Fifi Masuka, victoire écrasante de Fifi Masuka avec 21 voix sur 24. Fayoulou, l'ouverture d'une action en justice contre le cardinal ne passera pas.
Et puis Félix Tshisekedi entame une visite de travail en Allemagne. On termine par Radio Okapi. Emmanuel Macron, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et puis la MONUSCO cesse officiellement ses opérations au Sud Kivu. Élection des gouverneurs, l'Union Sacrée prend la tête de presque toutes les provinces. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par ce voyage, par les interviews que Macron a données avec Félix Tshisekedi. Nous sommes déçus, nous ne savons pas exactement si ce pays est dans de bonnes mains ou où est-ce que nous sommes en train de partir. Parce que je crois que la solution de la République démocratique du Congo n'est pas en Europe, comme je vous ai toujours dit. La solution n'est pas en Europe, la solution n'est pas en Amérique, la solution n'est pas en Asie, la solution n'est pas chez Poutine, la solution n'est pas dans les armes. La solution c'est en interne, mes chers amis. Et c'est en interne que nous pensions que nous pouvions commencer. Aujourd'hui nous sommes en train de déplorer comment est-ce que nous sommes en train de nous autodétruire. Et en nous autodétruisant, c'est-à-dire que nous repoussons le développement de notre pays de dizaines d'années. Peut-être que des dizaines d'années encore, nous aurons à souffrir parce que nous nous engageons sur de mauvaises pistes. Nous sommes en train de faire des choses qui ne devraient pas être faites. Nous ne réfléchissons pas sur les solutions de notre pays. C'est ça le grand problème, mes chers amis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la solution du M23 n'est pas à Paris. Ce n'est pas Macron qui va commencer à nous résoudre nos problèmes avec l'Est. Ce n'est pas ça. Félix Tshisekedi est en train de commettre des erreurs qu'il ne saura pas corriger. Le 5 ans que nous allons encore entamer, aujourd'hui nous sommes déjà presque la moitié de l'année. Et rien n'est encore fait pour remettre le pays sur le rail du développement. On ne se penche pas sur les solutions, mais nous sommes en train de nous enfoncer dans les erreurs. C'est ça le grand problème. Et le président Tshisekedi ne s'en rend pas compte. Malgré tout ce que nous sommes en train de parler, mais il vit dans son monde. Et ici, là, nous commençons à nous retrouver dans cette époque-là où nous disions que Kabila doit partir. Tout le monde aujourd'hui constate que même ceux qui sont tout autour de lui commencent à constater que non, les choses ne peuvent pas marcher de cette façon-ci. C'est ça le grand problème. On ne s'en rend pas compte, mais on s'enfonce dans l'erreur. On persiste à s'enfoncer dans ce que nous parlons, l'erreur. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, ce sont les... Vous sautez les étapes. Vous sautez les étapes. Pour les choses que vous devriez faire, vous les sautez. Qu'est-ce qui est le grand problème? Quel est le grand problème en République démocratique du Congo? Permettez-moi de vous introduire ça de cette façon-là. C'est la gestion, l'administration de notre pays. Ça, c'est un point, un trait. C'est ça qui est le grand problème. Il faut relancer l'administration de notre pays. Il faut relancer à donner du travail à l'État congolais. L'État congolais doit travailler. L'État congolais doit travailler. Nous devons absolument relancer le travail de l'État congolais avant de voir l'État, le travail ou le job qu'on parle. L'État congolais doit commencer à travailler et il doit être géré. C'est cet état-là qui doit être redynamisé. Et par là, c'est par là que nous avions dit, il est grand temps de songer quelles sont les opérations de base qui vont montrer que l'État recommence à travailler. Nous ne devons pas faire commencer à travailler certaines personnes. Vous aviez vu le problème qui se trouve en République démocratique du Congo. On essaie d'arracher les fonctions de l'État et on le met dans de petites institutions comme la CENI, comme l'ONIP dont nous allons parler là aujourd'hui. C'est un poignet de personnes qui prend l'argent et qui se donne cette, disons, qu'on octroie cette tâche qui devrait être exercée par l'État. C'est l'État qui nous devrait prendre. Nous devons nous rendre compte que l'État travaille. Et l'État a des employés.
Et l'État a des gens qui ont des numéros matricules. Et l'État se trouve sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'étape de l'octroi de la carte d'identité ne devrait pas être l'apanage d'un service. Ça devrait être l'apanage de l'État. L'État devrait être existé au Kasaï, à Aru, à Bukavu, à Mbandaka, à Kinshasa, à Matadi, partout. Ces opérations-là qu'on a lancées à octroyer les cartes d'identité va se terminer comme ce qui se passait en 77. Vous allez voir cette carte-là derrière moi ici. C'est cette carte-là qui devrait être implémenté en République démocratique du Congo en remplacement avec cette autre bandeau Kobenga Liputa, cette histoire de papiers verts que vous retrouvez ici. Mais maintenant, il y a des étapes à suivre. Pour l'octroi de cette carte-là, il y a des étapes à suivre. Il y a des choses que nous devons préparer. Mais mes chers amis, moi je pense que l'ONIP a commis beaucoup d'erreurs en commençant par ne pas mettre à cette fonction-là à la disposition de tous les Congolais. Pourquoi je dis de tous les Congolais? Parce que l'État existe, parce que l'étendue est grande, parce que la population est nombreuse. Nous avons des multitudes de tribus. On ne peut pas faire une identité déclarative, sinon nous allons retomber dans cette histoire de la CENI ici. Où tu viens, tu te dis que moi je suis Congolais. Comment est-ce qu'on peut vérifier cette histoire-là? Il n'y a pas moyen. Nous ne pouvons pas aller à l'identification déclarative. Nous devons aller à l'identification scientifique, c'est-à-dire que redonner cette fonction-là à l'État. Et la bonne chose, si nous le faisions, c'est que l'État congolais va commencer à travailler. Tout le monde va commencer à travailler dans tous les territoires. C'est comme ça que nous sommes dit. Ça ne devrait pas être l'apanage d'un service qui est à Kinshasa et qui va donner les cartes d'identité. Et c'est par là qu'il y a de la mafia. Mes chers amis, c'est comme ça que nous sommes dit. Voilà comment est-ce que nous avions commis encore une grosse erreur en pensant que en distribuant ces cartes d'identité, nous allons résoudre le problème des Congolais. Non! Le recensement doit être scientifique et elle doit relancer même l'administration nationale, c'est-à-dire l'État congolais. Ces services-là devraient être implémentés dans tous les territoires, sinon dans tous les secteurs du pays. Parce que les gens devraient commencer à s'identifier à partir des secteurs, à partir des groupements. Et c'est par là que nous pouvions trouver une bonne identification où les groupements et où on peut dire que nous, moi je suis du territoire de Beni. Au territoire de Beni, on sait combien de personnes sont là. C'est comme ça, ça ne devrait pas être l'apanage de Kinshasa. Et lorsque nous pensons, que nous disons que la rétrocession du pouvoir devrait être à la base, voici les éléments dont nous parlions. Si tout le monde dans les secteurs, dans les groupements était capable de faire une identification, d'enregistrer quelqu'un en disant que vous êtes d'ici, vous êtes de là, nous vous reconnaissons, nous savons que tu viens d'ici et que tout homme congolais devrait avoir quelque part son origine, être identifié et être vérifié. Et on devrait le vérifier comment? En donnant justement le pouvoir à la base, en recensant les gens, en disant nous allons faire un recensement. Et après le recensement, c'est dès lors qu'on devrait renvoyer les gens des cartes d'identité. On ne peut pas les distribuer comme des cacahuètes, comme ça. Moi, je pense que nous devrons d'abord remplir un formulaire au niveau de la base. Et ça devrait être fait par les communes, par les territoriaux, par les secteurs où nous allons dire, par exemple, moi, je suis de Tshilenge. Ok, vous êtes de Tshilenge. Ok, vous êtes d'où? De Tshilenge. Où? Quel est votre parent à Tshilenge? Et c'est par là, à Tshilenge, que vous devrez... ça devrait être un système de vérification qui devrait donner de l'importance. Ça se fait dans tous les pays. On ne donne pas les cartes d'identité comme ça. Surtout dès le départ comme ça. C'est comme ça que nous sommes dit. La solution pour les cartes d'identité, pour le recensement, devrait faire partir de ce que nous appelons ici les états des lieux de chaque territoire. Chaque territoire, c'est par la base que nous devions commencer. L'ONIP, je pense, devrait être un service de l'État. Un service de l'État congolais, parce que l'État congolais doit commencer à revivre.
Les agents de l'État doivent commencer à travailler. L'ONIP ne devrait pas être un enfant à côté qui fait le travail de l'État. C'est ça la complication de cette chose-là qui existe maintenant et que nous sommes en train de nous embrouiller. L'ONIP devrait faire partir dans chaque commune, dans chaque territoire, dans chaque province, dans chaque groupement, dans chaque... Ça devrait commencer par là. Nous devrions mettre des systèmes à savoir Batunini Bauti Wapi. Boti kangatana lobango na lingala awa. Batunini Bauti Wapi. Vous venez, vous commencez à enregistrer les gens déclaratifs et vous lui donnez une carte d'identité. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est par là, Oyozako justifié que. Les gens ont pris de l'argent. Bah, tu vas bon, on a onip. Bah, comme ils la musala ngombangu mbangu. Bah, comme ils la musala ngombangu mbangu. Parce que basi bali mbongo, basi bali bimbongo. C'est vraiment marrant. Lorsque nous attendons ces choses comme ça, ça nous décourage. Alors, Germain, qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est la question que tout le monde est en train de me poser. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que lorsque on a lancé cette histoire-là, j'ai eu de multitudes de gens qui m'ont suivi sur l'identification de la population. Le schéma que nous prenons ici, c'est quel schéma? Ici, nous avions dit, pour que Félix puisse nous aider à remettre le pays en ordre, c'est d'abord le recensement de la population. Après le recensement, vous ne devrez pas donner quelqu'un une carte, non! Nous devons d'abord avoir des données parce que le contrôle de ces cartes-là ne sera pas possible parce que quand vous déclarez à quelqu'un, vous dites que non. Regardez ce qui s'est passé avec l'enrôlement et des électeurs. Finalement, au finish, nous ne connaissions pas le nombre d'enrôlés. C'était à peu près, oh non, ici, c'était 10 000. Nous n'avions pas de chiffres réels. Pourquoi? Parce que c'était déclaratif et nous le faisions à la hâte. Nous devons créer un système qui fera à ce que nous puissions d'abord connaître combien. Nous devons avoir d'abord ce qu'on appelle les jetons, comme on peut dire, je peux appeler ça. Un numéro. Chacun devrait avoir un numéro. Et ce numéro-là, avant qu'on t'imprime une carte d'identité, ce numéro-là devrait être checké et vos données stockées quelque part dans une base de données. Dans d'autres pays, on appelle ça la liste d'identification de la population. Cette liste, ici, nous avions dit comment. Il faudrait que ça se passe dans les territoires. Et les recensements dans les territoires devraient commencer par... un certain nombre énorme à suivre. Et nous avions dit, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions d'abord recenser les sexagénaires, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 90 ans. Nous leur donnerons par exemple un mois. Et tous ces gens-là devront venir à la commune. Voilà là où nous devrions restaurer l'autorité de l'État. Venir se faire recenser à la commune, être reconnu. On te connaît, on se dit, bon, ok, nous avons autant de vieux. Et nous leur donnons, par exemple, autant de mois, autant de semaines, ou bien autant trois ou quatre semaines, afin que nous puissions identifier les vieillards que nous avions, sur lesquels les populations viendraient se greffer. Ça, c'est une forme d'identification qui est aussi scientifique. Moi, ici, en Afrique du Sud, nous avions vécu, lorsqu'ils ont donné une carte biométrique, une nouvelle carte d'identité, on n'a pas donné ça à n'importe qui, en venant avec sa carte, son ancienne carte. Non, ils ont fait ça par palier. C'est-à-dire, on recense d'abord tous les sexagénaires, tous ceux qui ont plus de 100 ans, par exemple, on dit, nous donnons à tous les territoires. Parce que ceci d'abord devrait être implémenté d'abord. Le bureau devrait fonctionner sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire, c'est comme ça que nous sommes dit, ça devrait être couplé avec les opérations des états de liens de chaque territoire. Vous donnez 3 semaines, par exemple, ou bien 1 mois, à tous ceux qui ont 90 ans, dans chaque territoire,
après les 3 semaines, on va récolter les gens. Nous aurons nos vieux. Chaque territoire saura combien de vieux il en a. La semaine, on donne encore selon les âges. On dit, ok, nous allons entre, par exemple, 80 et 100 ans, et on leur donne 3 semaines. Et les autres, par exemple, de 60 à 80 ans, on leur donne peut-être, je ne sais pas, un mois, selon que nous estimons que notre population est grandissante en âge en âge, bien sûr. Nous allons voir maintenant. Lorsque nous allons terminer avec les gens qui ont de 60 à 80 ans et les autres, maintenant, on prend de 40 à 60 ans et les autres de 30, de 20 à 40 ans et ainsi de suite. C'est un service permanent qui doit être à la maison communale. Et il doit y avoir des étapes pour que nous puissions avoir ça. Vous devez avoir des papiers, vous devez être, vous identifier, par exemple, avoir un papier de la police, avoir un papier de la commune, avoir un papier de votre chef coutumier. Toutes ces histoires-là devraient être mises en place. Ça, je donne tout simplement les éléments que nous avions déjà expliqués ici sur Contact Pro Life. Comment est-ce que nous pourrions procéder à une identification de la population congolaise afin que nous puissions avoir des données réelles? Mais voilà ce qu'on nous prend maintenant. On nous donne, on commence à distribuer les cartes d'identité comme des cacahuètes, comme ils ont fait avec les cartes d'électeurs. Un travail bâclé, un travail qu'on ne saura pas redynamiser. Même si on mettait des imprimantes là qui montrent toutes les histoires là, ce n'est pas vérifiable. Cette histoire est déclarative. Un Chinois peut venir là-bas en disant qu'il est congolais. Et il y aura trop de mafias là-dedans, toutes ces histoires-là. Nous devons mettre un système qui permettra à sécuriser les éléments de l'identité des Congolais. C'est comme ça que nous pouvons mettre, par exemple, dans d'autres pays, on appelle là la liste de personnes, la liste nationale d'identification. C'est un database. C'est un database où nous devons le protéger. Et ça doit être partout. Pas seulement à Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa. Nous sommes vraiment déçus de ce que Félix est en train de nous donner ici. Parce que moi, je pense que ici encore, nous nous trempons dans ce que nous appelons ici l'erreur monumentale,
que nous ne saurons pas corriger. Ceci devrait être repris. Quand le bon gouvernement, quand nous commencerons à réfléchir que non, pour que le Congo puisse cesser de décoller, nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. On parle de détournement d'argent et pour précipiter les choses, ils se disent, bon, ok, cet argent-là devrait être en principe l'argent pour relancer l'administration au niveau national. On devrait donner ces moyens-là à toutes les communes, à faire que non, les chefs des communes, les chefs de riz, les chefs de la police, parce que il y a ici, par exemple, lorsque vous voulez chercher une carte d'identité en Afrique du Sud, il y a des documents que vous ne pouvez pas déclarer. Vous devez aller les chercher peut-être dans un tribunal, peut-être à la police. Il y a des choses que vous devrez faire. Vous devez peut-être inclure aussi des témoins. Et quels témoins? Et ces témoins-là devraient passer, par exemple, par un tribunal où des gens vont t'identifier, où des gens vont t'interroger. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une fiche d'identité où on peut retracer votre identité à votre origine. Mais comment est-ce que nous le ferons avec les histoires déclaratives? Vous voyez maintenant comment est-ce que nous avions biaisé nous-mêmes, encore une fois de plus, le système qui devrait être en place. Alors, nous, ce que nous pensons ici à Contact Pro Life, c'est quoi? Mettons-nous d'abord au travail. Le travail, c'est quoi? C'est d'inclure tout Congolais dans le système de la gestion du pays. C'est comme ça que nous disons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Notre solution ici consiste à donner les responsabilités à qui des droits? À qui des droits? C'est-à-dire quoi? Recenser d'abord les Congolais. Nous avons le recensement qui a été déjà fait, je crois, dans les années. Le recensement était de quoi? Des tribus. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le chemin que nous devions appliquer ici, c'était de faire ce que nous appelons les conférences des états des lieux de chaque territoire. Où il y aura 300 personnes dans chaque territoire, venant de n'importe, de toutes les forces vives dans ce territoire-là. Pourquoi je dis dans les territoires? Parce que dans les territoires, nous connaissons tous Toyebani Bandeko. Nakati ba territoire Toyebani. Batoubayebani, Bayebi, ba professeur, Bayebi Moutoutel, Bayebi ba notable. Les chefs coutumiers connaissent tout le monde et tout le monde. Alors c'est par là que nous allons donner les responsabilités à tous ces gens-là d'aller d'abord faire réfléchir sur la nouvelle constitution. C'est parce que je dis souvent ces deux choses: réfléchir sur la nouvelle gestion de la 4e République, parce que ici nous voulons déclarer une 4e République, la nouvelle gestion de la 4e République, en réfléchissant sur la constitution et matériellement identifier ou recenser les populations. Ce n'est pas leur donner les cartes d'identité, mais leur donner leur numéro d'identification. Parce que ces cartes-là devraient être imprimées à la fin, lorsque nous aurons à nous dire quelles sont, comment est-ce que nous allons faire que toutes ces cartes-là soient uniformes. Et lorsque nous aurons récolté les données de chaque territoire qui se feront par les enfants de ce territoire-là. Ces gens-là de l'ONIP, quand vous venez, moi je suis Moulouba, moi je suis Mounande, mais dans le Banande, il y a les Bakonzo. Comment est-ce qu'ils sauront que moi je suis Mukonzo? Les Bakonzo sont les Ougandais. Les Bembe, ici je parle de Bemba ou bien de l'autre côté au Shaba. Vous qui quittez à Kinshasa, vous allez reconnaître que celui-ci vient de la Zambie. Vous allez les connaître comment? Parce que le monsieur va venir, il va déclarer et il peut venir, il peut même louer certaines personnes à côté de lui en disant non, écoutez, venez, vous allez m'aider à prendre la carte d'identité. Toutes ces histoires-là sont bâclées, mes chers amis. Donc, nous ne pouvons pas avoir confiance à ce qu'ils ont fait là-bas. Le schéma ici dont nous prenons ici, c'est que lorsque les gens qui sont dans les 300 personnes désignées par eux-mêmes dans les territoires se mettront d'accord à réfléchir sur une nouvelle république, c'est-à-dire la constitution, pendant ce temps-là, nous allons commencer par ce que je vous ai dit au recensement des gens et donner une certaine numéro d'identification à toutes ces personnes-là.
qui seront identifiés dans les territoires. Les territoires, lorsqu'ils identifient quelqu'un, ils disent que, ok, ces gens ici, ça, c'est un Congolais. Celui-là, il n'est pas Congolais. Celui-là, on lui donne un numéro d'identification. Et ces histoires-là seront imprimées à Kinshasa, des papiers vraiment de valeur qui seront sécurisés. C'est dès lors que nous saurons que non, ça c'est une carte d'identité. Moi, je ne peux pas blaguer avec la carte d'identité sud-africaine. Impossible. Même si on peut la tricher, mais on peut détecter que ça c'est une carte truquée. Mais quelles sont les mesures de sécurité qu'on est en train de prendre sur les cartes qu'on est en train de distribuer aux gens? C'est malheureux, mes chers amis, et c'est grave pour notre pays. Et moi, je pense qu'il faut tout recommencer, il faut stopper cette histoire-là. Comme on a stoppé l'histoire de cette carte ici qui est derrière moi, on l'avait stoppée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle n'avait pas été préparée. Les personnes, l'État n'était pas impliqué. Cette histoire ici ne devrait pas être un apanage d'un monsieur ou bien d'un groupe de personnes. C'est une histoire des Congolais et c'est les Congolais qui doivent se prendre en charge. Il y a des choses que nous ne pouvons pas blaguer avec, s'il vous plaît. Il y a des choses que nous ne devons pas blaguer avec, surtout l'identité congolaise. Bandeko, nabamboka mususu pokende ba peso carte d'identité, c'est un chemin de combattants. Il y a biso ekomika ba distribuer ngone tinguba te, tokondima biloko yote. Tokondima biloko anati. Donc aujourd'hui je m'arrête là, espérant que ce message ici va vraiment résonner dans les oreilles de ceux qui sont en train de vouloir nous mettre le bâton dans les roues en nous donnant des cartes qui n'ont pas de valeur. Merci encore une fois de plus, parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ceux qui m'ont soutenu pendant cette période où j'étais un peu absent sur les réseaux. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de gens s'abonner encore une fois de plus. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et beaucoup de gens m'ont appelé en me disant, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Ce sont des moments qui arrivent souvent dans ce métier où vous n'êtes plus capable de faire des émissions ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans cette période-là. Et maintenant là que nous sommes sortis, il y a des travaux aussi que nous préparions pour que nous puissions les relancer au mois de juin. Je pense que nous allons faire un catch-up. Alors, merci. Continuez à vous abonner, continuez à partager ces émissions. Et je vis d'ailleurs que beaucoup de gens commencent à adopter cette idée ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Vous voyez maintenant le pouvoir, comment l'État pourra l'exercer, par exemple par le recensement. Lorsque vous allez vous recenser, vous serez redevable à qui vous êtes. Mais si nous commençons à nous redistribuer des cartes comme on l'avait au coin de la rue comme ça, ça coupe sa kilote. Voilà, merci beaucoup. Donc j'espère que vous aviez laissé. Si vous aviez aimé, laissez un petit chap. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.